Bonjour, je suis Cédric Villani, mathématicien français, ancien député, et je sors tout juste de la prison haute sécurité de Belmarsh. Je suis encore sous l'émotion de cette ambiance de prison, tout en lenteur, en barrières administratives et physiques, mais aussi l'émotion, pour la première fois de ma vie, je suis allé rendre visite en prison à quelqu'un qui compte pour moi. Il s'agit de Julian Assange, et il compte d'autant plus pour moi que c'est un prisonnier politique. Et quand j'étais jeune et qu'il y avait ces prisonniers politiques célèbres, Nelson Mandela, Wei Jingshen ou d'autres, j'imaginais pas qu'un jour je me retrouverais à rendre visite à un prisonnier politique dans ce contexte de démocratie occidentale dont nous sommes tellement fiers. Si Julian Assange est en prison, il est très diminué, il souffre la torture, l'isolement physique 23 heures sur 24 dans sa cellule de 3 mètres sur 2. Pourtant, je l'ai trouvé encore agile intellectuellement. Nous avons pu discuter de toutes sortes de choses, de Solzhenitsyn à Hardy, en passant par des questions techniques comme l'encryptage homomorphique et bien d'autres sujets techniques ou politiques. Julian est un intellectuel, il a reçu une formation de scientifique comme moi, il a besoin de ces nourritures intellectuelles. Et avec Julian, nous avons aussi bien sûr parlé de sa vision. S'il est en prison aujourd'hui, ce n'est pas pour toutes les accusations fumeuses qu'il a subies, mais parce qu'il avait cette vision d'un monde dans lequel certains se dressent contre la tendance du système de toujours espionner davantage et de garder les secrets au bénéfice des puissants. Julian s'est engagé pour préserver ce que nous avons de cher, nos libertés de parole, notre vie privée, et il en paye le prix fort. Si Julian est extradé, s'il est condamné, ce sera un signe terrible selon lequel les États-Unis peuvent condamner n'importe où dans le monde un journaliste pour simplement dire la vérité. Nous devons tous nous engager pour son soutien comme lui s'est engagé au bénéfice de nous tous et toutes. Free Julian Assange now.